Bonsoir, bonsoir à tous les camarades qui ont regardé nous là après-midi. Nous comptons saluer, quel que soit côté où il est sur la planète Terre. Nous voulons dire que après-midi, nous avons un fonds de résine qui ouvre pour nous supporter la campagne du président Jovenel Moïse. Vous pouvez dire nous quel objectif nous organisons cela et comme ça, on ramasse à ce qui côté libre aller. Objectif nous, c'est pour nous capables de suspendre, encourager Mounio, contribuer individuel. Parce que Haïtien est toujours contre contribuer, mais c'est toujours individuel. Et là, nous contribuons à titre d'individuel, il n'y a pas reconnaître nous. Ça va nous faire une force. Parce que juste comprendre son démocrate qui supporte l'autre démocrate. Mais il n'y a pas connaître une communauté haïtienne qui contribue, qui peut permettre que l'élection en fait. Parce que Spanish Tali même, il contribue collectif. C'est ça qui fait une force pour faire des voix et les besoin. Nous-mêmes haïtiens, nous avons décidé pour tout le monde voter ensemble. Tout le monde contribuer ensemble. De quoi pour nous capables de force pour nous représenter la communauté haïtienne positivement. Pour les gens qui ont regardé là, qui n'ont pas eu de chance jeudi pour porter contribution par là, dans Saint-Ford Avenue, dans New York, est-ce qu'il y a une autre possibilité pour les gens qui sont capables d'utiliser pour qu'ils soient capables toujours de faire contribution? Oui, nous avons un Zelle, nous avons un Cash App, nous sommes capables de faire 908-404-2950. Quel que soit côté lié aux États-Unis, quel que soit côté lié sur la planète Terre, ils voulaient contribuer et nous avons encouragé Haïtien pour nous contribuer. Parce que culturellement, Haïtien n'a pas contribué à faire élection. C'est le candidat qui toujours a 1000 gouttes, 2000 gouttes pour voter. Et c'est ça que fait tous les candidats qui viennent arriver dans la position de besoin. Ils ne doivent pas donner nos moyens parce qu'il faut tirer comme lui. Bon, ici, c'est très différent. La réalité avec que c'est vous-même, votant, qui vous supportez le candidat. Et c'est seul gens qui sont capables de faire force pour influencer la politique américaine en Haïti. Est-ce que vous êtes capable de dire pour les Haïtiens qui ont gardé, qui ont vécu dans la communauté haïtienne, qui avantage Haïtien gagne pour voter candidat démocrate dans l'élection qui a fait aux États-Unis? Anessa, son élection historique. C'est une élection qui pral définit le statut haïtien qui est légal aux États-Unis. Et nous prenons un paquet d'haïtiens, même si vous êtes citoyen, même si vous avez une résidence, ça c'est cause par. C'est ça que nous disons, nous tous concernés. Nous avons une équipe qui est avec Joe Biden, non. Une équipe de 7 haïtiens officiellement désignés dans le campagne. C'est la première fois qu'un candidat fait ça. Et il y a des cahiers de revendications qui sont tapis actuellement. Que nous demandons, haïtiens demandent, conditions pour rentrer dans la bataille là. Faut que tout haïtien qui est illégal, un statut légal. Tout haïtien que vous avez arrêté, vous avez déporté arbitrairement, nous demandons pour stopper ça. Ingérence ambassade américaine a fait dans la politique interne en Haïti, nous demandons pour stopper ça. Et Haïti, haïtien voulait une chance pour choisir propre dirigeant, pour ne pas dicter pour vous. Nous pensons que toute revendication, ça yo rencontre vision ni haïtien qui vivent ici, ni haïtien qui vivent en Haïti. Merci en plus, madame Nadia, nous remercions. C'est Nadia Modesi, coordonnatrice de notre campagne Joe Biden pour New Jersey. Nous bien contentés avec vous. Merci. Cher Yves-Marie, il faut dire que nous avons représenté en pile pour moi-même personnellement, non seulement en tant qu'ancien député de Port-au-Prince, mais en tant qu'haïtien. Nous faisons plusieurs côtés que nous passons. Quand il s'agit d'Haïti, nous sommes toujours prêts pour nous accompagner le pays, nous. Même si nous dehors, et comme en pays haïtien, nous n'avons pas fait choix pour nous faire dehors. La situation vraiment en Haïti chaotique. Et qu'il y a une opportunité que en pile organisation offre. Et nous-mêmes qui avons géré une association qui est les voilà, qui c'est Voice of Haitian Living Abroad, qui c'est voilà. Donc nous avons choisi de rejoindre l'idée ça. Côté que tout structure réunie, côté haïtien, tout le monde mobilisé à travers ou bien sous bannière Haitian American for Biden Harris. Donc nous-mêmes c'est normal, nous rejoignons, mais
par rapport à un pile de monde qui rejoint le mouvement, moi-même, moi, je rejoins parce que c'est haïtien qui vivent à l'étranger. Donc, nous pensons que nous avons besoin pour la communauté haïtienne de mieux représenter, c'est-à-dire au niveau des élections. Parce que d'habitude, là, il y a l'élection, rejoindre le groupe ça, divisé à groupe l'autre là. Il n'y a pas de gens qui font get together, gens en pile l'autre nation faire. Donc, année ça, élection ça, Asian American, Biden Harris, c'est-à-dire que nous sommes le groupe des démocrates là, moi-même, moi, je rejoins parce que nous sommes toujours pour la démocratie. Et ça fait tout nous-mêmes, non seulement nous unis derrière pour la démocratie, mais en tant qu'ancien député de Port-au-Prince, nous, la communauté internationale, là, lui participer largement dans détruire pays d'Haïti. En plus, là, d'ailleurs, fait semblant qu'il y a aidé, c'est pas aidé vraiment, c'est intérêt personnel, il y a des fans. Donc, c'est une opportunité nous-mêmes, nous joindre, pour nous chanter, comme vous connaissez, nous connaissons chanter, et pour nous parler, nous qu'à parler. Nous rejoignons parce que son get together qu'a fait. L'organisation ça va l'arrêter pour quel que soit ça qu'a fait. Parce que l'heure que oui, nous avons ça, on va avoir combien de gens qui font de fundraising et qui va arrêter vraiment dans la poche organisation qu'a organisé là, qui va le remettre les bails responsables de campagne de Biden et Harris. Parce que on est capable de couler là tout. Par rapport à paquet de monde qui a voté, on est capable au moins défendre le monde par la suite. Et même le monde qui parle là, qui veut demander des familles qui sont à l'extérieur des États-Unis pour y aller voter démocrate. Parce que le gros bagage qui fait un pile haïtien mal. Et le mouvement ça est représenté pour la communauté haïtienne et représentativité nous. La représentativité nous et dans l'État New Jersey. Et c'est automatiquement et voter et candidat Joe Biden et by candidat Joe Biden à Kamala Harris yon vote collectif et participer dans donation et by participation non et dans sarolo dans fonds monétaire élection ici dans pays États-Unis. Et si toutefois d'abord ou pas by participation dans élection yon pas représenter ou pas représenter rien nous-mêmes. C'est ça que fait nous annoncer fundraising ça et quelques semaines avant, juste pour nous capables de faire un travail réussi, pour nous capables de force nous dans le gouvernement qui va venir. Et au connaît Jaris nous levé en Haïti, en tant que Haïtien, nous avons la culture, nous avons toujours espéré que c'est monde qui prend l'élection qui se pose à nous. Et mais lorsque nous partis dans un pays industrialisé, nous avons fait un autre exercice. Quel message vous avez pour la communauté haïtienne dans ce sens ça? Bon, c'est vraiment important. Et nous-mêmes, là, quand nous, et c'est différent avec ici. Là, quand nous, c'est leader, yo, ou bien, et nous, quand dit candidat, yo, qui baille l'argent, toutefois, pour être capable d'investir dans la campagne. Ils vendent terre, ils vendent bien, ils vendent machine, ou bien, ils vendent un immeuble, quel que soit ça, ils possèdent en Haïti. Mais, des fois, ça va chuter sur suyon que ça a eu un état de corruption en Haïti parce que automatiquement pas oublier et depuis leader les fin bon OK les fin élu au pouvoir la première chose à faire c'est à regarder ou bien à ériger tête li comprendre côté comprendre pour tirer comme lia avec bénéfice mais ici aux États-Unis c'est différent c'est ça que fait nous-mêmes et dans Haitian American for Joe Biden et avec tout l'ensemble des leaders noyo qui fait partie de votre ça ni ça dans l'autre état yo par exemple nous même qui dans New Jersey tant que et député Andrew Saint Nadia Mondesi et André qui avec nous et nous ca dit Sophonis Jean-Jacques et tout le monde net en général Roger Dazulme qui dans votre ça ensemble avec nous et bien qui ça nous dit et nous voyons un message complet pour le peuple haïtien pour être capable de changer d'abord pour l'État tout capable de subventionner et parti politique en Haïti pour être capable de vendre l'argent pour être capable de faire campagne pour ne pas dépenser propre l'argent et pour nous changer le pays d'Haïti tout on l'autre concept on l'autre vision on l'autre Haïti et Haïti a pas banalement dit Haïtien et m'espérer que non seulement rêver ça
mais travail nous dans tout l'ensemble des leaders, vous comprenez, et nous garantir le peuple haïtien et notre travail et pays a et l'a changé. Même là que grand plus monde qui dit pas changer, mais l'a changé. Mais pas oublier, pour changer c'est pour même, c'est nous tout en généralement, en général qui vous prend conscience pour non pas là que yo pas inviter nous dans bagaille, pour non pas dire ou bien si yo pas gêta averti nous ça, ou bien si yo t'a chercher dans nous pas de nous, nous dit bon OK parce que yo pas venir côté, on pas venir. Moi même qui dans l'échelle américaine pour Joe Biden, moi-même yo cherche moi, yo jeune moi pour tête moi venir. Moi c'est volontaire. Tout ça m'a fait là, yo comprendre, c'est volontaire m'a fait yo. OK, moi ba courage, moi ba énergie moi, moi ba tout moi même juste pour nous capable, pour nous même haïtiens, pour nous ca changer politique là. Pour nous ca voyer un message ba le monde entier. Nous voyez, besoin voyer un message ba le monde entier. Et qui message? Un message positif d'abord. Un message comprendre et de progrès d'abord. Nous voulons faire un bagage très représentatif nous-mêmes. OK, je dis à nous réunir dans Stanford Avenue na Noa pour capable rebailler adresse là encore et si toutefois y a un monde t'a mis occasion ça comment est capable toujours participer dans fundraising ça que Haitian American for Biden Harris organisé. OK, et ça me capable dit et adresse là ici hein, c'est 795 et Stanford Avenue, Newark, New Jersey. Et c'est dans Family Manor Restaurant. Family Manor Restaurant. OK, qui dans Newark, New Jersey, entre Irvington. OK, c'est un côté qui est tout facile. Tout le monde, quel que soit côté où il est là, je dis, hein, quel que soit côté où il est dans New Jersey, qui est dans New York, je pense que c'est un geste de solidarité, c'est un bagage de conscience. Ce n'est pas parce qu'on gagne l'argent, ce n'est pas parce que comme si. Mais quand même, les demander comme si ils ont conscience, nous-mêmes haïtiens, pour nous comprendre qui côté que nous y est, faut que nous pouvons tête nous, faut que nous émerger tête nous, faut que nous anticiper d'abord notre travail là. Nous voyons un message à tout le monde qu'on y a là, et nous déjà arrivés là, nous avons dit, et depuis à 9h du matin, dans la place là, dans la famille Manor Restaurant. Pour nous garantir tout le monde, comprendre, pour yo venir par participation, yo venir faire comprendre, mon cap baïkob, quelque soit Jean Bailly, ok, n'apprécie voilà, et ensuite nous garantir tout le monde et fonds pour aller directement comprendre, non compte haïtien gagné dans Agblou et dans headquarters. Merci. Si nous réélu président Donald Trump encore, eh bien c'est réélu et massacre en Haïti. C'est réélu, eh bien, misère en la vie, c'est réélu, déception pour les peuples haïtiens. Donc, demandez tout haïtien pour être capable de motiver, mettre nous ensemble. Par exemple, en politique, on a besoin d'argent, on a besoin de monde. Donc, si nous ne supportons pas avec l'argent, nous, ça nous possède pour nous voter, c'est vrai. Nous encourager les gens à voter, mais nous, en campagne Joe Biden, nous avons besoin de pile d'argent pour nous capables de défier le président Donald Trump. Sur notre ça, nous demandons tout le monde pour venir. Pendant la palais, dans les 795 Stanford Avenue, Family Manor Restaurant pour bailler son rien. Nous pas exiger personne, groupe qui a fait gros mouvement ça, dans New Jersey, pas mettre couteau dans la personne, dans la gorge personne pour bailler son pas posséder. Mais quel que soit son rien ou bailler, parce que c'est geste à compter, nous voulons tout haïtien mobiliser à travers les États-Unis, même Haïti à travers tous les côtés, pour nous capables de voyer monter Joe Biden très très fort. Nous besoin finir avec le phénomène du président Donald Trump là. 4 novembre, après l'élection fin fête 3 novembre, nous avons gagné une gros fête dans la famille Manor. Nous demandons tout haïtien, comment se mobiliser, chercher drapeau au pays d'Haïti, nous avons un drapeau fruit, nous avons manger, nous avons drink, nous avons tout bagaille pour nous venir célébrer victoire président eh bien, Joe Biden. Merci tout le monde, nous croyons que la mobilisation est faite à travers les États-Unis. Bon, importance et mouvement ça a pour nous, pour que. Élection ça qui a privé 3 novembre là c'est important, c'est un moment qui de vie et ou de mort parce que c'est tellement vital et nous pensons que normalement il dépend des générations que normalement nous même nous déjà gain là qui a préparé mais cependant son bagage qui comme c'est là qui tellement vital pour nous et que nous décider administration ça qui là qu'on y est là et bien il faut que nous capables nous camper comme un seul homme pour nous capables changer pour nous capables élire Joe Biden à Kamala Harris
pour nous avoir l'autre type de vie, un type un autre système qui est capable de bénéficier tout Américain et tout le monde qui contribue à faire des Américains saliés aujourd'hui. Pour qui ça, d'après vous-même, un Haïtien, tu as supposé voter candidat démocratique? Bon, on a dit que la raison c'est que démocratie et actuellement, Jean. Gouvernement républicain ça traité peuple américain hein? Il va traiter là avec respect avec dignité donc par conséquent et nous connaît que et sous regarder ouais plan Joe Biden et Kamala Harris ou gars dans ouais c'est un et dans quoi les jouer la nuit par conséquent gain toute affaire ça aurait et justice pour tous les américains qu'ils soient immigrants qu'ils étaient de bon pays à contribuer ou respecter tout pas dans crime ou pas faire n'importe bagaille et bien comme si démocrate là ou gain intérêt pour comme si lui même qui remplacer nous pas pour 4 ou 4 ans encore avec administration ça donc je dis à là est-ce que si on monte à rater occasion ça pour apporter contribution yo si on pas la chance passer dans Saint-Ford Avenue est-ce que y a un autre moyen de capable toujours porter contribution yo avec organisation ça qui c'est Asian American for Joe Biden Harris on pense que lorsque il y a un besoin pour que une communauté ou bien une nation mette tête ensemble pour le camper pour défendre nos causes, c'est pas un bagage comme si qui devait faire tant pour différent dans pays. Nous besoin consistant, nous besoin comme si durable pour que l'on l'idée n'a porté même Jean Wel avant nous gain indépendance nous en Haïti. C'est pas du jour au lendemain de fait. Bon paquet de step qui était fait avant de culminer en 1803 pour nous gain première constitution nous. Et finalement, pour Dessalines finaliser et pour nous capables de vivre libre et indépendant, comme on a sur la première République noire. Ça veut dire donc, ça qui a fait là, les gens qui montrent que ou pas intéressé comme ça, ou pas une cause là, ou pas un danger qui a fait face qu'on y a là, et bien qu'on y a là, nous ne devons pas là encore. Et cependant, nous avons payé les conséquences, nous avons regretté. Parce que des moments qui passent dans la vie ou dans la vie, ils ne pas venir deux fois. Maurice, present himself instead of talking all the way around about him. We say hi to you, Pastor Maurice, and we are so glad you are here with us. Just before we start asking you about this activity that's going on now in New Jersey, we would like you to present yourself for the community. Thank you very much. It's my pleasure. My name is Pastor Jane Maurice. I'm pastor of the Temple of Unified Christian Greek Church. I also serve as the president of the Haitian Pastors Association in New Jersey. It's my pleasure to be here at this wonderful moment. Today we are talking about this fundraising that's going on, that being organized by the Haitian American for Joe Biden and Harris. Can you tell us a little bit about this initiative that we're here to perform? It's like any other campaign. I think it's very crucial at the time that we find ourselves today in this pandemic. As you know, systemic racism has been going on in this country for years, and now is also the presidential election. I mean, we're talking about dynamics of the time that we have never seen before. So this is the time for us to galvanize our efforts, okay, to come together, and this is what this campaign is about. It's an organized effort trying to get everybody's vote to come together so that we can make a point. A point where we can all work together in this community and move our community forward. Can you tell us a little bit, Pastor Maurice, about why it is so important for the Haitian community to really be a part of this election or to participate in full in this coming up election? Absolutely. You know, Haiti, as you know, is the first black republic to get its independence since 1804. And as we have seen, Haiti has been paying the price ever since then. Haiti never had the chance, nor the opportunity to be liberated, not only politically, but also financially. And I think it is very crucial
because in life there's something called timing. And in life, I remember when Obama was going to come to office, we've seen something called a Kairos moment. A Kairos moment is where it's a divine moment that comes together with humanity, where everything works in favor of what you're trying to do. And I think this is the time for the Haitian community. So it's very important for Haitians to come together in order to help Haiti. As you can see, Haiti is in chaos. Right now there is no law, there is no order in Haiti. People are suffering, lack of food, lack of water. And I think for the basic thing. Huh? For the basic. Yes, the basic necessities, Haiti does not have it. So I think the diaspora is our last chance, next to God, that is. After God, the people that are living here now have to come together and really liberate Haiti, because our country has been under bondage and slavery for a long time and has been suffering systemic racism, systemic hunger, all kind of problems when it comes to classism, etc. And also, there is something that we would like to bring out, because as a ministry, and we know sometimes some pastors, they don't really want to involve in political activities. Can you tell us what made you come out and be in the fight for your community? And do you have any special message for the pastors? You know, one of the misconceptions, unfortunately, that usually propagates in our community is that pastors should not be involved in the political process. Pastors should not be involved in politics. And this is a fallacy, because we have a responsibility, a civic responsibility, not just a spiritual responsibility, but a civic responsibility to pay taxes and to be engaged in voting. Because if you don't vote, that means that whoever run for office, all right, if this person, if you don't engage to say this is who I want, well, you just have to suffer the consequences, because the person is going to have their own values. Because when we vote, we're voting our values. We're voting to say this is the individual that I want to support in order to carry our community forward. And then if you stay home and don't vote, you're hurting yourself and you're hurting the entire black community, because right now it is crucial. As you can see, the climate in this country is against immigrants. Immigrants do not have a voice. And we have to stand up and adjust to our, and to put people in office that's going to support our value system. Great. I would like to know if somebody cannot come to us on Central Avenue and know what I'm doing today, is that do they can use any other system that to be part of this fundraising that we organize today? Yes, one of the ways they can contribute in this Haitian for Biden-Harris campaign, and they can send their money to Cash App or Zelle by dialing this number 908-404-2950. As you know, there are two things that requires when you campaign: vote and money. You need both elements. They go together, vote and dollars. So this is what we're going to try to do, try to galvanize not only a vote, but also finances to really support this community. Like the candidates, the voters always expect money from the candidate instead of the candidate to accept money from the voters. Can you talk a little bit about this to our community so they can understand the difference? Yes, it's very important to realize campaigning, it costs a lot of money to campaign. Especially if you look at the Trump administration, I'm constantly getting, texts, all kind of devices, all kind of messages from social media, whether it's Instagram, Twitter, because they're looking for money. It's very, very expensive to run a campaign these days. So in this political process here in the U.S., it is the reverse. In Haiti, people expect money, but here, you have to give money to the campaign in order for the candidate to be able to not only have the
resources, but also human capital. You need human capital, you need capital, you need material resources, you need technology, you need so many things. Thank you so much, Pastor Maurice. But just before we go, because we know you are very active in your community, and then I know all your community really appreciates you. Do you have any plan for any position in Georgia? Any plan to run? Well, I've been asked that so many times. My life is belongs to God right now. I cannot do anything without asking God what He wants me to do. I feel better in a position when I'm in the backseat, in the background. So right now it's about moving people forward. It doesn't have to be me. I'm willing to partner with anybody who's going to move Nation American forward in this country and also Nation in Haiti forward. Thank you, Pastor Maurice. We know that you got so many things going on. We don't want to keep you right here. We want you to go back to your people. Thank you so much, and we are here to support you whatever you do for your community. Thank you so much. No problem. Je suis encore ici, non.
paraît tant fort, on aurait considéré qu'il veut la calculer. Adieu.